révolution pour faire promotion révolution cubaine et il cimenté l'a défendu jusqu'à dernier souffle jusqu'à ce que il dans cercueil. Donc il va gagner pour faire une transition générationnelle sorti une génération historique qui te fait révolution 1959 là pour lui-même entrer dans 21e siècle avec révolution ça avec nouvelle technologie avec tout ça que marche avec la première dirigeant cubain et désormais depuis aujourd'hui c'est premier dirigeant cubain qui pas de connaître révolution 1959 là puisque le pourquoi fait il fait en 1960 il fait un an après et il doit tout by tête une légitimité que pourquoi il est là il estime que le pourquoi gagne est-ce que c'est un hasard dans le calendrier hein? Et puisque c'est demain qu'a fait 58 ans et je dis à tous un anniversaire important pour révolution castriste et il a célébré victoire a été remportée dans paix des cochons et contre anticastriste qui était à PCIA. Rivé sous pouvoir et allié traditionnel Cuba va prendre temps pour te saluer. Le premier monde qui tire chapeau, c'est le président vénézuélien qui est dans une situation extrêmement difficile, Nicolas Maduro, qui félicite avec un pile qu'un content. Et il dit que monsieur c'est un représentant fidèle de une génération, nouvelle génération brillante et qui fait et qui grandit et que la révolution cubaine a forgé, selon le président vénézuélien. Bon côté par le président bolivien Evo Morales, bat bravo et salue Díaz Canel et comme garantie que héritage révolutionnaire, commandant Fidel Castro, après poursuivre ensemble avec et frère Raoul Castro et puis avec le peuple cubain. Alors que le président chinois, Xi Jinping et voyez félicitations tout par le nouveau président. Bon côté par l'Union européenne, bah on dit salutations tout petit, lui dira les créoles, lui prend note que bon changement qui fait dans tête un pays Cuba et lui dit Cuba que tu commencé à rapprocher de lui. Donc noter bon changement. Miguel Díaz-Canel a pris comme mission pour le Québec équilibre entre réforme qui est en main et respect principe qui est essentiel régime castriste. Et il doit immédiatement commencer et poursuivre l'actualisation de l'économie jusqu'à présent que l'État contrôlait à 80%. L'économie totalement planifiée et pour lui entrer dans le temps à vivre là, avec toute sa guerre là-dedans de péripéties et puis pas oublier tout embargo américain depuis 1962, malgré tout gros pas qui fait dans le rapport. Et sous Obama, et entre Raoul Castro et Obama, mais il n'y a pas levé en bas. Et sous plan diplomatique, l'Afghan pour faire face à une nouvelle situation qui gagne depuis plus qu'un an dans le pays États-Unis avec le nouveau président Donald Trump, et qui depuis un an s'est bloqué et toute avancée qui a fait un rapprochement historique entre deux pays yo, depuis 2014. Mais il y a compté sur parti, hein, puisque c'est un régime castriste qui est bien chita, et a un parlement, et qui sont parti unique, et qui vote déjà route pour le tracer, pour le suivre, et qui déjà dit qui orientation politique et économique l'a pour suivre jusqu'à 2030. Le bal feuille de route déjà. Et il est assez difficile pourquoi il est là pour évaluer véritable capacité Díaz-Canel pour remplir fonction président. Parce que il fait partie du système non et système non gon rigidité la donne et c'est ça qui marque fabrique lui et qui tout pral pi gros obstacle pour capable avancer selon Michael Shifter qui c'est président groupe réflexion dialogue interaméricain à Washington. Li capable faire face à des résistances selon expert là, résistance interne ou externe. Et Castro yo écrit tout chapitre ça dans histoire ça qui sont histoire unique. Coopération fait dans tel pays avec l'autre pays, il arrive à résister pendant 60 ans en bas embargo américain superpuissance non qui c'est voisin tout près yo, et il arrive à résister tout en bas effondrement au partenaire loin que te gain qui c'est Union soviétique qui dépose des conséquences dramatiques pour économie zilea. Après que te fini et prend place pour dans l'année 2006 et qui était malade fidèle Raoul. Et nous connaissons Fidel mourir en 2016, Raoul Castro a engagé toute une série de réformes que un pile monde dit qui pas possible sous Fidel. Mais ouverture il fait dans l'économie côté le business privé qui a fonctionné quoi il est là et surtout le fait que le fait rapprochement spectaculaire avec États-Unis même si il y a des brèches qui créées mais il dit que pas assez pour
ta révolutionné dans l'autre sens économie et cubaine. Elle dit que tu as fait tout nom économie de marché. Mais selon l'observateur, réforme qui fait dur que Raoul fait trop timide pour ta relancer l'économie hein, qui jusqu'à présent est toujours dépendant de importation et appui yon allié qui en difficulté qui c'est pays Venezuela. Voilà Cuba qui a écrit un autre chapitre dans l'histoire. Et journée ça, c'est journée historique parce que pour la première fois depuis 60 ans, Pagayo Castro qui président pays Cuba encore. Dans l'espace invité,